Déjà, donc, de vivre dans le centre, si c'est possible, d'être en coloc avec des Espagnols, de ne pas hésiter à sortir le week-end, même si c'est juste pour boire un verre, mais au moins de rencontrer des gens, de visiter la ville, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, je conseille, même si ce n'est pas dans vos plans, de rester bosser, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, de rester bosser en Espagne, si vous avez l'occasion, parce que c'est vrai que plutôt que de rentrer en France et soit de ne rien faire, soit de bosser dans quelque chose qui à la base ne nous plaît pas parce que c'est pas ce qu'on veut faire, je conseille fortement de rester ici et en même temps de faire tous ces papiers administratifs pour l'équivalence parce que au final ça fait garder la main, ça fait prendre vachement de l'expérience. Moi je vois que enfin, ça va m'être beaucoup plus facile de trouver du boulot et de commencer à travailler en France en ayant travaillé ici. Donc, je vous conseille fortement de chercher du boulot ici, même si vous n'avez pas fini complètement les études, commencez déjà à chercher. Ça peut beaucoup vous aider.